Donc, euh, résoudre cette équation et préciser le domaine. Alors, euh, quand on nous dit préciser le domaine, c'est euh, préciser le domaine de définition euh, de toutes les expressions qu'on voit à l'intérieur de l'équation. Et c'est-à-dire, donc on se demande qu'est-ce qui pourrait rendre ces choses-là indéfinies. On voit immédiatement qu'il y a un dénominateur. Et ce qui pourrait rendre ces, indéfinies -ce pourrait rendre ces expressions indéfinies ce serait que le dénominateur soit nul. Donc, il faut à tout prix que le dénominateur ne soit pas nul parce que si le dénominateur si on prenait une valeur de pi qui rendait le dénominateur nul évidemment ce serait indéfini et cette valeur de p ne pourrait pas, pas être une solution de l'équation que l'on cherche. Par exemple, là, à gauche du signe égal, on a un p moins 1 au dénominateur, et p moins 1 au dénominateur, ça nous dit que p doit être absolument différent de 1. Si p était égal à 1, ça nous donnerait au dénominateur de gauche 4 sur 0, et ça n'aurait aucun sens. De même, comme on a p plus 3 au dénominateur de la fraction qui est à droite, p doit aussi être différent de moins 3. Donc p doit être différent de moins 1 et de moins 3. Ce qui veut dire qu'on va résoudre maintenant cette équation, et que si jamais on trouve à la fin que p vaut moins 1 ou que p vaut moins 3 comme solution de l'équation, on dira non, ce ne sont pas des solutions parce qu'on les avait exclues depuis le départ. Donc là, je vais recopier cette équation, cette fois pour la résoudre. Et pour la résoudre, on se dit que ce qui nous embête beaucoup, c'est d'avoir des fractions et des dénominateurs. Donc on aimerait bien supprimer les dénominateurs pour ne pas avoir pour ne plus avoir de fraction. Alors pour supprimer le dénominateur p-1, je peux tout simplement multiplier à gauche par p-1. Hein, ça permettra de simplifier les p-1, et ça supprimera le dénominateur. Mais si je multiplie à gauche par p-1, comme on a une équation que les deux membres doivent rester égaux, je dois absolument faire la même chose à droite, multiplier à droite par p-1. Ce que je fais à gauche, je le fais à droite, pour conserver l'égalité. Et voilà, ça, ça nous permettra de supprimer le dénominateur p-1. Maintenant, pour supprimer le dénominateur p plus 3, qui se trouve à droite du signe égal, ben, je vais faire pareil. Je vais, supprimer, je vais multiplier à droite par p plus 3. Mais si je le fais à droite, je dois le faire à gauche aussi. Je multiplie à gauche par p plus 3. Voilà, et ça va nous permettre, cette fois, de simplifier ces deux fractions suffisamment pour que le dénominateur se, soit supprimé. Donc, qu'est-ce qui se passe à gauche du signe égal ben, Je peux simplifier les p moins 1 au numérateur et au dénominateur. Et là, ça y est, j'ai plus de dénominateur, donc j'ai plus de fraction à gauche du signe égal. Et qu'est-ce qui nous reste à gauche du signe égal 4 fois p plus 3. 4 fois p plus 3, qu'on va pouvoir distribuer. Donc si tu veux, on distribue tout de suite. Ça fait 4p plus 12. Voilà, la part, le membre de gauche a été singulièrement simplifié. Mais il va se passer exactement la même chose pour le membre de droite. Les p plus 3 simplifient il reste 5 fois p moins 1. Et 5 fois p moins 1, ça, ça se distribue en 5p moins 5, en multipliant toute la, tout ce qui est à l'intérieur de la parenthèse par 5. Voilà, donc là, on a une, une équation euh, sous une forme linéaire qui est simple. On va la résoudre, euh, on va la résoudre en mettant tous les p d'un même côté et toutes les constantes d'un autre côté. Par exemple, on va, on va retirer 5p à gauche et à droite du signe égal pour annuler le 5p de droite. Il va nous rester à gauche du signe égal moins p et le plus 12. Et à droite, les, les 5p vont s'annuler. Il va rester moins 5. Là, on va retirer 12 à gauche et à droite du signe égal maintenant. Pour nous débarrasser du plus 12 et laisser le moins P tout seul. Donc le moins P est tout seul parce que les 12 s'annulent. Et à droite, on a moins 5, moins 12 qui vaut moins 17. Et euh, là, pour. Euh, on a moins P, on veut P, ben il suffit de multiplier à gauche et à droite par moins 1. Et donc. Euh, on obtient exactement ce qu'on veut, c'est-à-dire moins 1 fois moins p, on connaît la règle des signes, ça fait p, et à droite on a moins 17 fois moins 1, qui vaut 17. Donc on obtient p égale 17. Première bonne nouvelle, on n'obtient pas l'une des deux valeurs qu'on avait exclues. On n'obtient pas 1, on n'obtient pas moins 3. Donc 17 a toutes ses chances d'être une solution valide. En fait 17, on a prouvé que 17 est une solution valide. Mais pour plus de sécurité, pour que tu vois bien qu'on l'a prouvé, on va resubstituer 17 dans l'équation. Comme ça, on va bien, on verra bien que P égale 17 vérifie l'équation. Donc on reprend notre équation du départ, on substitue P égale 17, donc on obtient 4 sur 17 moins 1, au lieu de 4 sur P moins 1, est égal à 5 sur 17 plus 3. Eh bien, il reste juste qu à, à, il reste qu'à effectuer ces calculs pour vérifier que c'est bien égal. Donc, 4 sur 17 moins 1, c'est 4 16e. 5 sur 17 plus 3, c'est 5 vingtièmes, et 4 seizièmes se simplifie en un quart, et 5 vingtièmes, il se trouve qu'évidemment, ça se simplifie aussi en un quart, et donc j'obtiens un quart égal un quart, et j'obtiens une égalité qui est vraie, ce qui me prouve bien que P égale 17, non seulement ne m'a pas donné de valeurs indéfinies, mais en plus vérifie bien l'équation qu'on a donnée au départ, donc P égale 17 est eh bien solution de l'équation.